Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'acheter des objets dans un distributeur automatique. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques de Fortnite chapitre 3 saison 1. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'acheter deux objets dans un distributeur automatique. Donc pour ce faire, moi regardez, je vais me rendre près de la pompe qui est juste ici, parce qu'il y a un distributeur automatique qui va me permettre d'acheter des objets. Donc c'est un distributeur de soins, donc ce qui est bien, c'est que les objets sont moins chers que le distributeur d'armes. Regardez, le distributeur est juste ici. Voilà, juste ici. Et quand je vais interagir avec, je vais pouvoir acheter du soin. Donc là, ça me coûte 30 de lingots, ici 10 de lingots d'or, et là, je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement parce que pour terminer le défi, il faut acheter... trois objets dans un distributeur automatique. Donc ce que je fais, c'est que je vais acheter trois fois des bandages, donc 1, 2 et 3, et là normalement j'aurai terminé le défi. Donc si vous achetez trois objets à un distributeur, là vous terminez le défi et vous débloquez les récompenses. Donc si ça ne fonctionne pas avec un seul distributeur, il faudra peut-être en faire deux autres, mais normalement il n'est pas précisé dans le défi que c'est avec différents distributeurs automatiques, donc logiquement ça devrait fonctionner avec un seul distributeur. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.